Peggy 18. Une ville tellement grande qu'on ne pouvait pas modéliser l'ensemble de la ville. Donc on a décidé de s'intéresser à quatre quartiers qui nous paraissaient iconiques. Whitechapel, le quartier des immigrés, les docks de l'East End, à l'époque, sont des quartiers qui sont très pauvres, qui sont gangrénés par la criminalité, par les gangs. Le quartier de l'hôpital, ça c'était intéressant pour nous parce que ça permettait de replacer le héros dans un rapport à la maladie. Et dans cette zone-là, il va être perçu comme un médecin. Il va être confronté à des infirmières, à des chefs de service, à d'autres, à des collègues, et évidemment à des patients. Et encore une fois, le joueur a la possibilité de tuer tout le monde dans l'hôpital. Et le dernier quartier, c'est le quartier de West End, donc les quartiers un peu plus riches. Permettre au joueur de voir une espèce de galerie de personnages, comme ça, de différentes couches sociales. Pour que ce soit pesant, que tu sois toujours dans le questionnement, que tu sois comme le docteur Reed et que tu te demandes « Mais qu'est-ce que c'est en face de moi au bout de cette ruelle ?» On va essayer de faire de la rétention d'informations, mais jouer avec ça pour rester dans cette frontière entre « c'est lisible », mais on va essayer de jouer avec les faux-semblants, en fait. C'est travailler avec des silhouettes dont la découpe va te permettre de te faire une idée si c'est un ami, un ennemi, mais ne va pas te donner tous ses secrets tout de suite. Le jeu, donc, on le vit au milieu d'un Londres qui est donc de nuit. Et par contre, ce que vous avez, c'est vraiment ces couloirs de bâtisses, d'immeubles, enfin voilà quoi, pour ce qui est de Londres, et qui en fait réfléchissent les sons. Ta, 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 ta. Et en fait, le départ de la réflexion par rapport à la musique industrielle, c'était de rendre la ville un peu vivante. Jonathan Reed, il est seul à marcher. Et donc, moi, je m'imaginais dans cet univers, une entité donc musicale qui était seule et qui représentait en fait sa solitude et sa lutte surtout intestine. C'est là que j'ai pu rencontrer donc Eric Maria Couturier, qui est violoncelle solo de l'ensemble intercontemporain de Paris. Et quand je lui ai parlé du projet, lui tout de suite, il a compris l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il a un son qui va pouvoir voyager entre quelque chose de très émotionnel, très beau, jusqu'à arriver à du violoncelle très presque bestial, cru, qui va vous vriller les tripes.